Allez. Ce train. Ouais, alors, il est pas vide, mais c'est pas très grave. Ouais. L'air de rien, la pierre, hein. Je C'est viens de voir un pas. truc, les tout premiers coffres de. Les trois. Pro... Non, les deux premiers coffres de fer Ouais. sont quasiment full en fer, en plaque de fer, et ils se vident jamais du coup. Ouais, ça se peut. C'est très possible. Mieux d'ailleurs. Aïe aïe aïe! Oh! Oh putain, j'ai failli mourir avec l'armure. Il y a le train qui m'a foncé dessus, mais heureusement que j'ai deux boucliers, hein. Comme Ok. quoi, ça protège bien. Des niveaux 2. Ouais, les deux boucliers MK2, ça m'a fait survivre à un train qui m'a foncé dessus pendant à peu près 3 secondes. Quand même. Non. C'est pas mal. Il va nous falloir des patchs de fer supplémentaires. Ouais, c'est sûr. Mais les plaques de fer, on peut pas faire grand chose pour ça pour l'instant, je vous le dirai. En tout On cas, a 200 tapis bleus. il Ah bon, mais faudrait. sur les plaques, il nous faut le minerai carrément, quoi. C'est tout. Parce que en tout cas, la base que j'avais fait en haut là, elle tourne à fond. Ah, c'est pour ça, y'a. Et Ouais, non, mais ce que Def il parle, c'est la base du bas. Ah, ok. Et qui est plus assez alimentée en fer. Ben ça, il faudra aller chercher un train, aller chercher des matériaux en bas quelque part, mais il n'y a pas trop de fer en bas. Non, il est sur la gauche et à chaque fois il y a des creeps autour. Donc... Ouais. En tout cas. Il va falloir faire du métallage pour la prochaine fois. Bon, par contre, moi je vais arrêter, je vais vous laisser continuer. Bon, bonne fin de soirée dans ce cas-là. Merci, à vous aussi, Bonne à vous. soirée. Et bonne continuation. Merci bien. Allez hop. The Ténèbres, je sais pas si tu sais, mais Mais. nous on change d'heure au niveau de la France là ce week-end. Non, je sais pas, mais nous on devrait changer d'heure aussi bientôt alors. Ça devrait pas changer grand-chose normalement. Parce que Mais. nous, cette nuit, quand il sera 3h du matin, il sera à nouveau 2h dimanche. Ah ok. Donc nous aussi on devrait. Ok, bah, c'est bien, tu me le dis en même temps, je l'apprends. J'écoutais un peu loin, donc c'est Voilà. pas les mêmes changements d'horaire au même moment. Donc voilà. Non, mais peut-être la semaine prochaine, je sais pas, je vais regarder comme ça, je le dirai la semaine prochaine au cas où, on verra. En tout cas, c'est bien de le savoir. C'est Bon, allez. chiant ces changements d'heure. Là, cette fois-ci, ça va, on dort 1 heure de plus. Ou on fait ce qu'on veut pendant 1 heure de plus. Je sais pas, je vois pas la différence, moi. Y a que la sieste qui change au boulot, quoi. Ouais, voilà. Ça décale, c'est ça qui est embêtant, en fait. Allez, petit nettoyage. Et maintenant, robot, rapportez-moi tout. Oh, c'est assez utile d'avoir une grosse armure comme ça. Comme diraient les filles, c'est pas la taille qui importe, hein, c'est comment l'utiliser. Voilà, c'est exactement ça. C'est bon. On a quand même 3 en ce moment qui sont sur l'attaque. Ça drop un petit peu. Un gros freeze en pleine attaque, c'est horrible. Ouais. Voilà. Je sais même pas si je suis mort ou si je suis vivant. C'est pas génial tout ça. Oh non. A toujours pas le message comme quoi t'es mort. Donc Voilà. Ça te laisse un peu d'espoir. Les gros vers bouger, mais. Hop. Ouais, c'est quand Ah, même s'il reste loin de ceux qui vont nettoyer. vivre encore, on te rend mort. Est-ce que vous avez dit?
Ce qui te tue te rend mort. Je pense pas que c'est tout à fait ça l'expression, mais elle est plus proche de la vérité celle-là. Ah, c'est vrai. Mais c'est pas grave, dans Factorio on peut ressusciter alors. Ah bah heureusement, parce que sinon les parties finiraient vite. Allez. Ouais. Ouais, mais j'ai trop de stuff pour mourir. Oui, bah ça c'est un autre problème. Pour soi, il faut toujours voyager léger. Hein, sinon... Voilà. Bon. J'ai juste une centaine de robots qui veulent se recharger sur moi en même temps. Pas de soucis. Au pire, quand c'est comme ça, moi je garde un robot port avec moi, je le pose et... Ah oui. Ouais, sauf que j'ai pas d'électricité là où je suis. Archon, je te vois regarder le pad de fer qui se trouve là. Est-ce que tu veux nettoyer les petites bestioles? Le patch de fer. Lequel? Archon est en train de placer des tourelles. En train de... Ah, ok, ouais. Ouais, j'essaye de faire. De bouger, j'y arrive même pas. Si quelqu'un pouvait m'aider à nettoyer ce nid, parce que c'est franchement horrible. Ouais, je peux bien. Non, juste poser les tourelles et les tuer en espérant que. Que tu défrises. Ouais, je défrise comme ça, quoi. Ah, ok, et j'arrive. Bon, je suis un peu loin. Je peux plus poser une seule tourelle. Je suis un petit peu loin, mais j'arrive. Voilà, à pied. C'est le moment où je regrette de ne pas avoir mis d'exosquelette. Oh, petite attaque. Eh, t'es pas loin cette base. Bon, j'arrive, j'ai juste eu un petit contretemps. Je récupère mes tourelles. Ok, parfait. Et voilà, je suis reparti. Bon, je suis encore un petit peu loin là, mais... Hop. Ils ont vraiment essayé d'attaquer. Ils ont essayé d'attaquer les tapis. Ils sont pas géniaux. Bon, je suis plus très loin. Je te vois sur la map. Sur la map. Bon, tout le monde sera arrivé avant, par contre, là, mais voilà. C'est quand même hallucinant que je puisse pas bouger. Voilà, ça c'est nettoyé. Attends, il a mis des balles là-dedans. C'est moi qui viens de déposer, j'ai oublié de switcher les... Ah ok. Est-ce que t'arrives à bouger? Ah pas. Utilisation de mes robots contre mon gré. Je vais utiliser les miens, mais bon. Voilà. Ouais. Bonne petite façon de nettoyer. Mais au pire, déconnecte-toi, reconnecte-toi si t'arrives pas à bouger. Ah, maintenant là, c'est bon. Maintenant que vous avez nettoyé la base, en fait, j'arrive à me déplacer. Ok, c'est bizarre, mais.
Ah bah avec ça, on va en avoir des cure-dents. Hein. J'en ai 6000 et quelques sur mon inventaire. On est que 80. J'en veux pas plus. Ah bah merci. Pas de quoi, ça fait plaisir. On avait presque 12 000 sur moi là. C'est pas pire. Voilà. Petit nettoyage en haut. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est... ça ici. Hop. Bon, c'est déjà inclus dedans, ça c'est bon. Et ensuite, des petites lampes, des tapis et un petit blueprint. Voilà. Ça c'est parfait. Tu peux les emmener, les minerais directement dans la base du bas. Ouais, ok. Ouais. Ok, ok. Bon, tiens. Voilà. Et dans la base du bas, tu veux dire juste à droite? Non, à faire. Non, c'est dans la... Tu les envoies à CFR. Ok. Ok, donc tout en bas, ok, ouais, je comprends. Et après, il faudra les renvoyer dans DFR. Pour déposer par contre, c'est assez loin, j'aurais pas les matériaux pour l'amener là-bas. De quoi? Mais moi je parlais en train. Ah ok, en train, ok. Oh bah je vous laisse gérer ça alors, moi je vais aller continuer de nettoyer en haut. Ça marche. Encore un vol de robot. Hein, remettre le mur. Bon. Le problème sur cette map, c'est que les ressources sont vraiment pas très grosses. Et on en aurait besoin qu'elles soient plus grosses. Est-ce que j'ai une auto? Ouais, j'ai une auto. Voilà. Hop. Ouais, c'est pas très maniable l'auto. Non, c'est juste que t'as besoin de repasser ton permis. Peut-être aussi, peut-être. Bon, je vais faire disparaître une base alien. Oh, les pas. Je pense pas que tu les plains vraiment. Je vais faire un tour de magie. Tour de magie. Et voilà, hop, tu les vois plus. Attention, et hop, je peux pas placer beaucoup de tourelles par contre. Et hop, vous les voyez plus, et hop, 10 FPS. Et voilà, si vous regardez en haut, il n'y a plus de base. Hein. Disparu. Bon, ok, il en reste un petit bout. Hop et hop. Voilà. Il
Voilà. Tout ça, c'est à peu près ramassé. Ok, alors je vais essayer de monter en haut, voir si, s'il n'y a pas d'océan ou quoi que ce soit qui pourrait nous déranger. Sinon, bon, on fera sûrement la nouvelle base à peu près de ce côté-là. Et ça devrait plutôt bien aller. Il y a un chat qui crie famine. Ouais, ouais, il y a un chat. Pas crier famine, mais... juste dire... Quoi? Elle est dehors? Oh non, même pas. Elle est à l'intérieur, juste à côté. Elle veut juste se faire... Elle veut juste que je la regarde. Occupe-toi de moi. Ouais, exactement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Dès que j'attire son attention un petit peu, elle se calme. Voilà. C'est sûrement une femelle alors. Exactement. La pauvre. Et hop, là, j'ai bien fait de partir avec 500 tourelles. Hop là, il reste un gros bout de base de ce côté-là. Voilà. Ok, ça c'est bon. J'essaye de pas perdre de tourelles, mais là, j'en ai laissé un peu partout, je pense. Ok, on est rendu à 2h44, pas pire. On va bientôt arrêter, hein, je pense. Ça sera bientôt l'heure. Alors, vous en êtes rendu où tous? Archon, toi, tu fais une petite base. Un petit peu plus de fer. La vie. Et les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi je vais ramener pas mal de d'ingrédients pour Arcon finir sa base. Ok, parfait. Parfait, parfait. Alors je pense que prochain multi, ça serait bien qu'on se pète tous pour essayer de partir une deuxième base. Puisqu'on aura quand même pas mal de matériaux. Ça pourrait être assez rapide si on se met tous ensemble pour le faire. Juste finir de nettoyer un petit peu plus, monter, essayer de monter un petit peu plus haut et ensuite voilà. Ça sera fini pour moi, je laisserai peut-être le serveur allumer encore un petit peu. Histoire que tout le monde ait le temps de finir ce qu'ils sont en train de, ce que vous êtes en train de faire et ça sera bon.
remarqué, il y a quand même un beau petit mur en haut. Et je parle d'eau dans ce cas-là, pas d'alien. Ok, voilà. Petit nettoyage éclair. Voilà, et ouais, bon, je pense pas qu'on va aller vers le nord pour finir. Pourquoi c'est trop rouge? Non, c'est trop bleu. Voilà. C'est trop la mer. Ouais, voilà. Bon, sinon, s'il y a beaucoup de pierres, on peut remplir. Hein. Alors là, c'est une bonne question. Combien on a de pierres? Si quelqu'un peut regarder dans les stocks de pierres qu'on a direct au à la station. En fait, faut combler, c'est 20 minerais de pierre pour pouvoir combler une case. Voilà. Donc selon la quantité qu'on a, on peut le faire, c'est sûr. Si on a des champs de pierre qui servent à rien, autant les utiliser. Et puis on peut utiliser, si on veut vraiment aller là où il y a de l'eau et que ça nous gêne, on comble. Hein. Ouais, c'est sûr. Non mais. Par contre, ça coûte cher. Il y a de l'eau, c'est qu'il n'y a pas de minerai. Non, mais ça permettrait de se faire une belle base par-dessus et ça serait pas un problème. C'est ça le truc. Ensuite, c'est à voir est-ce que ça vaut le coup, ça. Pour les pierres. Qu'est-ce que tu dis? On n'avait pas de coffre pour les pierres. Si on en a sur la station de train, par où elles arrivent. Ah oui, c'est vrai. Quelques accumulateurs. Je vais mettre une petite station radar pour voir jusqu'à où ça va à peu près. Par contre, j'ai mis un coffre juste devant toi pour des rails de train et je sens ça. Ok. Bon, j'ai dû quitter, je reviens. Ok. Ok, ok. J'arrive encore plus à rien faire, c'est des routes. C'est plutôt étrange que ça te fasse ça. Ouais, ça produit juste assez d'énergie. Je vais ouvrir mon inventaire, mais bouger, j'y arrivais pas du tout. Voilà, si vous regardez sur ce qu'on voit d'en haut, là j'ai mis un petit radar. J'ai mis deux radars en fait pour que ça aille un peu plus vite. Il n'y a pas grand chose. Voilà. Je continue à nettoyer un peu. Ok. Ah, pourquoi je suis pas capable de le poser là-bas? Ouais, d'accord, ça continue assez loin. Voilà, ça c'est à peu près nettoyé. Voilà, le lac est un peu gros. Alors, est-ce qu'on a un chiffre pour les pierres? J'ai pas regardé le. De mémoire, c'est 20 pierres. Ouais, je sais, mais tu veux dire en stock? Ouais, sais pas. Exact.
Là pour l'instant je suis arrivé à stocker 1200 pierres et plus là-haut je vois pas. Ok, bon au pire j'irai jeter un coup d'œil. Voilà, ça c'est nettoyé. Okay. En tout cas, vous voyez à peu près la taille que ça donne de ce que j'ai vu pour l'instant. J'ai laissé des scanners, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Ça a l'air d'être assez long. Allez, petit auto, histoire de rentrer un peu plus vite. Alors ça, c'était peut-être pas la meilleure idée. Hop, un peu plus. Ok, j'arrive bientôt, c'est pas pire. J'aurais juste perdu 16 tourelles. Ben, si tu peux nous en ramener de notre côté là. Ouais. Mais t'en avais laissé un paquet sur, sur le chemin. Tu regardes la map, t'as des points bleus partout. De mon côté? En haut, ouais, je sais pas, il y a des points bleus. Non, en haut, tu veux dire? Ah ouais, c'est... mais ça, c'est des... une station non, radar. Ils se baladent un peu, peut-être t'as deux spots de pétrole, là. T'as 4-5 puits. Ah ouais, bleus, ouais, quelques petits spots, ah ouais. J'ai... Oh, c'est pas grave. Non, c'est pas gênant. C'est pas grave. Par contre, si j'arrêtais de foncer sur toutes les roches, ça serait bien. Hop. Encore une roche. Ok. Ouais, je suis bientôt arrivé. Ouf, failli me prendre un train, mais c'est correct. Ok, alors, quelle quantité de stock est-ce qu'on a ici? Déjà, l'électricité, ça suit plus. Ça, c'est un petit problème. Et la pierre... Ouais, on a pas une tonne de pierre. On a une petite quantité, mais c'est pas suffisant. Quand même une belle consommation de pierre. Je sais pas ce que ça donne de ce côté là. Bon, on a énormément de briques. Tiens, je vais stopper la consommation de briques comme ça et les murs sont stoppés bientôt. Alors c'est bon. Oh non, j'ai mis des coffres là pour les pierres. T'as mis des coffres? Ouais. Juste en dessous de toi. Ah ok, bah c'est parfait. Pas grave du tout, parfait, ça fait un autre stockage. Ah tiens, un truc pour toi, ça va t'amuser. Ah, vas-y. Merci bien. Allez, lance-roquette, je vais le mettre à la place du fusil à pompe. Allez, je sais qu'il peut pas les prendre. Allez. Allez, on va en profiter. Roquette. Oh, ça bug un peu trop, je vais essayer de pas tout détruire. Ouais, là, je sais pas pourquoi, ça lag un peu. Le jeu m'empêche de tirer, il sait ce qui va se passer, il m'empêche de tirer. Moi aussi, il me fait revenir en arrière. Ouais. En tout cas, bon, pas très grave, je peux pas l'utiliser, on dirait. Pas très très grave. C'est pas qu'il vous fait revenir en arrière, c'est qu'en fait le perso marche quand vous tirez une requête. J'ai l'impression que ça bloque, mais c'est qu'en fait il ralentit la marche. Ok.
En tout cas, allons voir peut-être une petite base alien. Si on peut réussir quelque chose. Toi là, viens ici. Ah voilà. Bon, c'est pas l'arme la plus efficace, mais c'est toujours amusant. Nombre de fois que je suis mort avec ça. Robot ramassage. Voilà. Bon, en tout cas, on va s'arrêter ici, hein, je pense, pour aujourd'hui. Voilà. Laisse-moi juste finir ça, s'il te plaît. Oh, t'inquiète pas, je coupe pas le serveur tout de suite, je vais juste arrêter. Ça va être tout pour le stream, voilà, et pour l'enregistrement.